Hello tout le monde, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une autre revue, enfin une revue sur une palette. Donc après la chocolate bar, la semi-sweet chocolate bar, la chocolate bonbon et la white chocolate, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui la chocolate gold de Too Faced. Bon, il n'y a pas une grande surprise parce que je vous l'avais présentée dans mes achats. Mais voilà, la revue d'aujourd'hui est dédiée à cette palette. Donc, je l'ai achetée chez Sephora dès qu'elle est sortie, je ne sais plus trop quand. Je crois qu'elle est sortie début février. Elle est vendue donc chez Sephora au prix de 47 €, donc comme les autres palettes chocolate. C'est le même format également que toutes les grandes que je vous ai citées. Elle est juste différente des dernières là qui sont sorties, les Peach, etc., qui ont un format différent. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mon avis sur cette palette, puisque ça y est, je la teste quand même depuis que je l'ai reçue, donc ça doit faire 2-3 semaines que je la teste maintenant. Donc maintenant, je peux vous en donner quand même un avis assez... approfondie. Voilà. Donc, comme je vous le disais, elle est vendue à 47 € chez Sephora. Moi, je l'ai acheté plein pot puisque maintenant, vous le savez, Too Faced n'est plus éligible au code promo. À part si vous avez un bon de 10%, là, d'accord, vous pouvez l'utiliser. Mais sinon, c'est trop tard. Donc, au niveau du packaging, elle se présente comme ceci. Comme vous pouvez le présager, elle va être légèrement différente en termes de packaging par rapport aux anciennes chocolates. Et vous avez derrière la composition des fards avec les noms. Voilà. Ce qui nous intéresse maintenant, le packaging. Donc au niveau du packaging, alors je suis désolée, j'ai des petites traces de doigts. Je le nettoie très rapidement. Ni vu ni connu. Voilà, on va dire que c'est propre. Donc elle est comme ceci. Donc c'est une chocolate bar classique avec du gold. Donc j'essaie de ne pas vous faire de reflets là, c'est pas facile. Parce que voilà, c'est un gold qui fait beaucoup de reflets. Et derrière, donc vous avez les ingrédients de la palette. Donc au niveau de la palette, à l'intérieur, vous avez un miroir qui prend toute la place. Donc d'habitude, vous avez un miroir qui était un, voilà, vous aviez un espèce de cadre autour du miroir. Là, vous avez un miroir complet. Donc ça, c'est plutôt cool si vous voulez vous maquiller avec. Et vous avez les fards à paupières qui sont comme ceci. Donc c'est le même nombre de fards à paupières que vous avez dans les palettes chocolate d'habitude. Bon, peut-être pas la chocolate bonbon, je sais plus. Celle avec les petits cœurs là. Faudra vérifier, mais après c'est la même, la même présentation, voilà, que dans les anciennes chocolate bars, voilà. Donc, comme vous pouvez très forcément le deviner au nom, la chocolate gold, c'est une palette chocolate qui s'articule autour de ce fard-là, donc le chocolate gold, et autour des fards qui sont lumineux, métallisés, voilà. Donc c'est des fards métalliques. Alors je suis désolée, j'aurai beaucoup de reflets parce que il y a un soleil de malade et elle est complètement métallisée de partout, donc du coup ça fait des reflets sans arrêt, voilà. Donc, je suis désolée, je vais essayer de cacher le miroir déjà, ça va un peu moins vous embêter. Voilà, donc vous avez donc à l'intérieur que des fards métallisés. Seule petite exception, c'est que vous avez 4 fards mats qui sont ici. Voilà, ces 4 là, ce sont des fards mats. Sinon, tout le reste de la palette, ce sont des fards métallisés. Donc si vous aimez les fards métallisés, autant vous dire que voilà, vous allez être très content. Moi j'adore ça, moi mes types de fards préférés c'est les fards irisés, métallisés, j'adore ça, je trouve ça très très beau. Quand c'est lumineux et tout sur la paupière, j'adore. Voilà, les fards mats c'est moins mon truc, mais on en a toujours besoin pour s'en servir en transition, etc. Et on ne peut pas porter un maquillage irisé de A à Z, du haut de la paupière jusqu'au bas, c'est pas très joli. Donc les fards mats, franchement c'est toujours la bienvenue dans les palettes. Donc au niveau de la composition, comme vous pouvez le voir, c'est une palette donc de métallisé. Vous avez quelques fards mats ici qui sont dans les tons neutres, qui sont vraiment parfaits pour pouvoir utiliser en complément de votre maquillage métallisé sans faire too much. Et vous avez à côté toute une palette de fards métalliques dans, de toutes les couleurs. Vous avez du flashy, du rose, du violet, du vert. Vous avez bien évidemment un doré très flashy qui est le fard star de cette palette. Et vous avez également des fards un peu plus neutres comme ceci que vous pouvez utiliser plus facilement sur cette palette. Donc, et qui sont toujours à un fini métallique très pigmenté. Alors les points positifs de cette palette, on va y passer tout de suite parce que je commence déjà à dériver. Donc il faut savoir que c'est une palette qui est donc très très bien composée, je trouve, selon moi. Vous avez vraiment un type de couleur vraiment, enfin un échantillon de couleurs qui est vraiment assez intense. Alors le seul petit truc qui manquerait peut-être, c'est du bleu, et encore celui-ci, le Tripping Diamonds, on peut dire que c'est un bleu pastel. Donc voilà, ce serait peut-être la couleur qui manquerait, mais on n'oublie pas non plus qu'on reste sur des palettes chocolate, donc il faut rester un petit peu dans le thème du chocolat. Les couleurs sont à peu près dans le thème du chocolat, à part peut-être le vert. J'ai jamais vu de chocolat vert ou de chocolat rose. Bon, là, on dirait que c'est les couleurs qui sont un peu plus excentriques sur la palette. Mais sinon, on reste bien dans le thème chocolate.
Au niveau donc des fards, on a une palette qui suffit à elle-même, c'est-à-dire que vous avez la présence d'un fard neutre beige qui est parfait pour faire la touche lumière, donc en coin interne de l'œil ou sous le sourcil. Vous avez un fard noir pareil qui est très 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 utile, qui est mat pour pouvoir faire donc un thread liner aura-t-il supérieur ou inférieur, ou bien pour faire tout simplement un assombrissement au coin externe, etc. et créer un peu plus de dimension. Vous avez également la présence de deux fards plus beige, marronné, brun, neutre, qui sont parfaits également pour faire office de couleur de transition, donc en banane, etc. et puis pour pouvoir mettre un peu plus de profondeur sur votre maquillage sans pour autant utiliser tout le temps de l'irisé. Voilà, au niveau des couleurs et de la pigmentation, c'est une palette qui est extrêmement bien pigmentée. J'ai aucune couleur qui est en surpigmentation. Le beige mat est très bien pigmenté, comme vous pouvez le voir. Mais les couleurs métalliques sont vraiment très bien pigmentées. Donc ça, c'est les deux couleurs les plus claires. Donc c'est le Rich Girl, qui est un espèce de champagne, voilà, qui est extrêmement bien pigmenté. Et le Gold Dipped, qui est un doré froid. Voilà, et vous voyez, les deux sont extrêmement bien pigmentés et ces couleurs sont magnifiques. Elles reflètent tellement bien la lumière. J'adore porter ça sur mes yeux. Enfin, franchement, je trouve ça magnifique. Donc, la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau des chutes, il y en a très peu. Franchement, je trouve pas que ce soit des fards qui fassent beaucoup de chutes. Je dirais que les mats font un petit peu plus de chutes. C'est un peu plus poudreux. Mais sinon, les fards métalliques, en fait, sont bien, bien pressés. Et du coup, ils font pas trop de chutes. Donc franchement, nickel. Franchement, il y a de quoi faire de beaux dégradés dans les fards métalliques parce que vous avez une palette de couleurs qui est vraiment intéressante. Par exemple, vous avez, alors je vous montre rapidement, hein, vous avez celui-ci qui est une espèce de champagne clair que vous pouvez assombrir un petit peu avec le classique Nsassi qui est une espèce de rose gold. Et ensuite, vous pouvez assombrir encore un petit peu avec cette couleur-là. Donc vous pouvez faire des dégradés de ouf, quoi. Franchement, il y a de quoi faire de beaux dégradés toujours dans les tons métallisés. Et moi, je kiffe, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, je trouve que les couleurs, la pigmentation, tout est vraiment très, très bien choisi. Voilà, c'est une palette qui se suffit à elle-même. Vous pouvez tout à fait réaliser un make-up de A à Z avec cette palette. Et même si vous n'avez pas envie de métallique, par exemple, vous pouvez tout à fait réaliser un maquillage avec ces fards-là. C'est tout à fait possible, qui sera tout à fait mat. Voilà, si vous avez envie de changer un petit peu. Donc, c'est une palette que vous pouvez, à mon sens, emmener en vacances sans problème, ou même emmener en voyage, peu importe. Vous avez tout ce qu'il faut pour maquiller. Voilà, c'est une palette très complète pour moi. Ce petit bémol peut-être, donc ça on arrive dans les points plutôt négatifs, il manquerait un pinceau. Voilà, c'est vrai qu'un pinceau en plus aurait été pas mal pour pouvoir avoir la palette complète sans avoir besoin de rajouter des choses quand on part en voyage. Mais bon, ça c'est un détail, moi je m'en sers pas de toute façon des pinceaux, donc... Ça me dérange pas plus que ça. Petit bémol par contre que j'ai remarqué, c'est pour les fards métalliques. Certains fards, il y en a qui ne sont pas facilement prélevables avec un pinceau. Et quand vous prenez qu'un pinceau, vous frottez, vous mettez sur l'œil et il n'y a rien. Alors que quand vous faites les swatchs, il n'y a rien à dire, ils sont pigmentés. Regardez par exemple, là j'en prends un au hasard, il est pigmenté. Et pourtant quand je le prends avec le pinceau, j'ai rien sur le pinceau. Alors en fait, c'est des fards qui sont assez particuliers au niveau de la texture. Et quand on ne sait pas trop comment ils se travaillent, en fait, on peut être un petit peu piégé et se dire mais ils sont pas assez pigmentés, ou alors ils sont pigmentés que dans le pan et en fait on ne peut pas les prendre. Alors moi, ce que je fais pour les fards métalliques, en règle générale, pour qu'ils popent bien sur la paupière, je les applique directement au doigt, c'est-à-dire que je prélève directement la matière avec mon doigt et je tapote sur la paupière mobile pour mettre la couleur et ça marche du feu de Dieu. Vous avez la couleur qui est hyper bien restituée, pas de perte de pigmentation et franchement la couleur est tapante quoi, vraiment vraiment tapante quoi. Donc je vous conseille de faire ça parce que le pinceau en fait, si vous mouillez pas votre pinceau, si vous n'avez pas de spray fixant, moi j'en ai pas, le pigment va pas accrocher sur le pinceau en fait. Et du coup vous n'allez pas réussir à mettre le fard métallique sur votre paupière mobile. Donc ça c'est un petit peu embêtant parce que si vous n'avez pas ces bases là et si vous n'avez pas cette astuce là, vous pouvez vous dire que la palette elle est un petit peu sous-pigmentée alors que c'est pas du tout le cas. Voilà. C'est un petit peu dans le même genre que les palettes qu'ils ont sorties chez Huda Beauty. Vous avez beaucoup de fards comme ça maintenant qui s'utilisent avec des fix plus, des spray fixateurs, etc. Des pinceaux voilà, un petit peu humidifiés pour pouvoir bien accrocher le pigment. Sinon, voilà, vous galérez un petit peu. Mais si vous n'avez pas de spray fixateur, vous faites au doigt comme moi, ça marche super bien. Voilà, il n'y a pas de souci et vous n'avez pas de déperdition au niveau de la pigmentation. Voilà. Donc ce serait pour moi un petit peu le seul bémol de cette palette, voilà, c'est savoir un petit peu prélever et bien restituer la pigmentation des fards métallisés. Autre petit bémol, mais c'est vraiment très léger, c'est vraiment histoire de chipoter. Ce sont les fards mat qui sont un petit peu plus poudreux que les fards métalliques, c'est-à-dire que bah, des fois j'ai un petit peu
de chutes, surtout sur le phare noir. Et puis le phare noir, ça se voit direct, ça pardonne pas quand on a des chutes, on le voit absolument directement. Voilà, il est un petit peu poudreux, donc il faut bien bosser à tapoter son pinceau avant d'appliquer le phare sur la paupière. Et après, effectivement, il y a quand même quelques petites chutes, donc on retire, mais bon, c'est pas très grave, franchement, j'ai vu bien pire que ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau des points négatifs, très franchement j'en vois pas beaucoup, donc voilà, je vais pas en inventer pour vous faire plaisir. Est-ce que je vous recommande cette palette? C'est toujours avec ça que je finis en général les vidéos, donc moi c'est une palette que je vous recommande à 100%, je la trouve extrêmement bien, voilà, franchement il n'y a pas à dire. Je pense que c'est ma deuxième palette préférée au niveau des chocolates, j'aime beaucoup la chocolate bar, elle reste quand même devant parce que c'est plus facile de porter des fards irisés, mat, etc. Il y a plus de diversité au niveau des textures et des couleurs, c'est plus facile à porter au quotidien et c'est une palette qui est quand même, voilà, qui est pas que métallisée. Celle-ci elle est quand même beaucoup plus métallisée qu'autre chose, donc je préfère quand même la chocolate bar, mais celle-ci franchement elle est juste derrière parce que je la trouve extra, franchement elle est très bien. Les dernières palettes qui étaient sorties chez Too Faced m'avaient quand même pas mal déçue. J'avais trouvé que ça manquait de pigmentation, que c'était pas trop au rendez-vous en termes de couleurs, etc. Et là franchement rien à dire, là Too Faced remonte, voilà, il marque des points. Donc j'ai hâte de tester également les palettes Peach. Alors je testerai pas la Just Peach Matte parce que moi le matte c'est pas trop mon truc, mais je pense que je vais prendre la White Peach, donc je vous en reparlerai sûrement en vidéo et je vous dirai ce que ça vaut, si c'est une qualité similaire à la Chocolate Gold ou pas, voilà. En tout cas, si vous êtes fan de métallique, si vous n'en avez pas beaucoup dans votre collection et si vous voulez investir dans une belle palette où la pigmentation et la qualité est au rendez-vous, je vous conseille très franchement la Chocolate Gold. Après, si vous avez déjà plein de palettes, effectivement, c'est pas indispensable, voilà, mais ça reste quand même une valeur sûre, je trouve, cette palette, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vous aussi testé la Chocolate Gold, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, je lis tous les commentaires, vous inquiétez pas, même si je réponds pas forcément parce que des fois je trouve qu'il n'y a pas forcément à répondre, ne vous inquiétez pas, je lis et j'apprécie fortement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, salut.